Par moi, je peux sortir en fait. Je peux carrément sortir. Je peux juste faire ça. Ben ouais. Ah, ben voilà en fait, problème réglé. C'est bon, merci beaucoup monsieur. Ok, c'est bon. Maintenant qu'on peut sortir, j'ai plus envie de sortir. Maintenant que je sais comment sortir en fait. Je suis plus trop inquiète de savoir comment sortir. En fait, ce qui m'inquiète là, c'est si je remonte, est-ce que je peux revenir? Faisons quand même le plein, hein, de autant de choses que possible, là, bien sûr. Ça, ça, et ça, qu'est-ce que j'ai dans mes poches? 34 bombes, regardez, c'est magnifique ça! Dommage qu'il n'y ait pas les grains de Lumos, mais sinon, à part ça. En vrai, c'est pas trop mal. Hein. Que deux poissons? Que deux? Ah, c'est de là, je pense. Ouais. C'est de là que je viens, je pense. Bon, bref, allez. On sort d'ici. On a fait suffisamment de... Regarde où est-ce qu'on est, là. Nous, c'est là qu'il faut qu'on aille en plus. Il me semble. Bon, on lui dit pour Zelda, c'est ça, il faut qu'on lui dise. Elle est où déjà? Ah! Par ici! C'est à qui je parle déjà? Ah ouais, c'est. Bon retour sur Terre! Tu nous as fait un saut prodigieux! Ah oui, c'est vrai, j'avais sauté en fait! Est-ce que tu as pu obtenir les données topographiques? Bien! Alors, tout bien! La carte va jouer un rôle majeur dans ton enquête! Et ce, à compter de maintenant! Ah, et sinon, chaque région du monde a une tour de reconnaissance. N'hésite pas à aller la voir. Maintenant, revenons à nos moutons. Il y a certes eu un cataclysme ici, mais ce n'est pas le seul endroit touché. Il y aurait eu des calamités un peu partout en Hyrule. Montre-moi ta carte, tu veux. J'avais complètement oublié qu'on avait fait un essai de tour, en fait. Pour commencer, il y a la région d'Ebra au nord-ouest. Ensuite, celle d'Ordine au nord-est. N'oublions pas les contrées Gerudo au sud-ouest. Et pour terminer, la région de Lanel à l'est. Les endroits frappés par la calamité sont concentrés dans ces quatre régions. Je vois. Je peux rien te garantir, mais je sens qu'en allant sur le terrain pour enquêter sur ces calamités, on a plus le droit d'aider sur la princesse Zelda. Ah, voilà qui me fait penser à un bruit qui court, professeur Poir. Apparemment, on aurait aperçu Dame Zelda au village. Islander, dans la région des bras, au nord-ouest. Voyez-vous ça? Normalement, je prête juste zéro attention au cancan et j'encourage même à les tuer dans l'œuf. Sauf que là, on se trouve peut-être bien face à un indice d'une importance capitale. Revenons à toi, Link. On est en train de demander au journal de nous assister dans les recherches de la princesse Zelda. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que tu trouveras personne de plus calé sur l'affaire du royaume. L'agence de la presse est juste devant le village Islander, alors tu pourras passer par là. Ça fonctionne enfin, mais mec, tu fly. Tu peux voler. Tiens, cette silhouette. Dis donc, ce sera pas toi que j'ai vu planer dans le ciel tout à l'heure? Et ouais. Oh mais, attendez. C'est un goéland. Bonjour monsieur, c'est un honneur de te rencontrer en personne. Le premier vol depuis une tour de reconnaissance, dit. C'est un événement historique. Dis-moi, c'est quoi ton petit nom? Link, c'est bien ça? Tu savais que... Tu t'appelles pareil que l'autre type là, tu sais? Celui avec l'épée.
Oh, c'est vrai, je ne me suis pas présentée. Moi, c'est Pen. Je travaille pour la Gazette des Bois. Tu sais, avec tout ce qui s'est passé ici, je vais écrire un article de tonnerre. T'as intérêt à le lire. Ou sinon quoi? Bon, c'est pas tout, mais je dois filer. D'ailleurs, ça ne ferait pas de mal d'avoir un petit jeune de ta trempe dans l'équipe. Oh. Si jamais ça t'intéresse, nos bureaux sont en Hébra. Au nord-ouest, ici. Au nord-ouest d'ici. Ok. Ah oui, bien sûr. Bon vent! Let's go! Ben, je veux faire celle-là, tiens. J'ai complètement raté mon saut. Bon, c'est la première tour que je vois, alors moi je vais par là. À qui ils parlent là, ces gens-là? J'avais envie de les ignorer, mais en même temps c'est dur. Là. Okay. Qu'est-ce qu'il mange? Ah, la viande. J'ai peut-être pas choisi la tour la plus accessible non plus, bien sûr. Ça suffit, ça suffit. Arrêtez là! Arrête d'envoyer tes camarades! C'est pas possible, on peut pas se promener en paix. Ah ok, j'étais en train de me dire c'est quoi ça qu'ils sont en train de manger là? Ça suffit! Je veux juste manger votre bouffe là! C'est pas trop demandé que je sache. Et lui, il casse la baraque, là. Let's go, let's go, let's go, let's go. Wow. Un thief. Ouh. De justesse. Merci. Merci beaucoup pour votre... pour votre aide. Wow. Oh, oh, oh. Oh. Ça sera un peu dur d'accéder à cette tour. Elle a pas l'air très welcoming. Compliqué, mais pas impossible. Il n'y a pas un trou en quelque part où je peux juste rentrer et ensuite grimper. Ça va grimper vraiment. Traverser le plafond, je veux dire. Sexy comme ça. On se calme. Wouhou. Kaboum. Bonjour. Je ne fais que passer. Ah. Aïe. Attendez, je mange un truc vite fait parce que je vais crever. Des pommes. Let's go en fait. Ce
sera un endroit où j'irai jamais parce que bien sûr il y a trop d'ennemis autour, mais. Voilà, je cherche mes sandales. Voilà! Et hop! C'est parti! Alors, on recommence. Comment on fait ça? Waouh, c'est une grande zone. Ah, what? J'ai envie de sauvegarder en fait. J'ai une énorme, j'ai une étrange envie de sauvegarder. Je vois pas du tout où j'en suis là. Est-ce que je suis proche du sol ou pas? J'ai pas l'impression. Ah, ah. Voilà. Hop, on sauvegarde, bien sûr. Parce que on a débloqué une tour. Mais ça a déjà sauvegardé en vrai. Quand tu débloques une tour, je pense que ça sauvegarde automatiquement. Bien joué, j'ai vu une grosse bête. Hein. I saw a big fat bonhomme. Alors par contre, il y a aussi un... Oh, bonjour monsieur. Je tape sur le long. Quand il pleut, personne vient ici normalement. Regarde un peu, j'ai construit une tour géante. Au sommet de cette tour, il y a un gong géant. J'ai mis au point un petit jeu qui consiste à l'utiliser pour tester sa force. Tu veux tester ta force? Bien sûr. Pour tester la force, tu dois faire sonner très fort le gong tout en haut de la tour. Lance de toutes tes forces un gros truc sur le gong. C'est comme ça que tu y arriveras. Tu peux lancer tout ce qu'il y a dans le coin. C'est des machins dont je ne me suis pas servi pour construire la tour. Tu verras, il y a un peu tout et n'importe quoi. Si le gong sonne, c'est que t'as réussi. Et attention, t'as qu'un essai. Ah, je vais te donner une petite partie. J'ai construit ça tout seul quand même. 30 rubis. Mais non, genre en vrai, j'ai que 5. J'ai envie de lancer. Non. C'est pas ce que tu rates, mon vieux. Écoute, mec. Listen. Listen to what I have to say. I have no money. Regardez-moi cette magnifique lune rouge. Voilà, c'est magnifique. J'ai envie de descendre en fait. On se met juste là. Juste là. Ruine de l'amphithéâtre. Hop là. Oh, regardez-moi ces petits bonhommes. Ouh. On voit si on les attrape par la queue. Bien sûr, j'ai 4 cœurs, je ne vais pas aller affronter ces ennemis. Hein, Je ne suis pas folle. Estoy no folla. No estoy crazy. Et hop, c'est parti. Nous, ce qu'on cherche, c'est ce qui est derrière, l'autre tour.
Vous avez vu ça? On y va. Let's go. Un temps pareil. Il y a encore de la place, tu peux t'abriter de la pluie avec moi. Quand il pleut, on amasse de visibilité et les murs deviennent glissants. C'est dangereux. Alors, je fais une pause de mon exploration. Ok, ce serait stupide de me blesser. Et ouais. Qu'est-ce qui lui arrive à lui par contre? Il a perdu la tête. Ça va? Ça va, mec? Alors, moi, c'est là que je vais. On a enfin réussi à quitter la cité Gerudo pour chercher un voyage. Je vais mettre en pratique ce qu'on a appris. Et ben pour l'instant, ça se passe pas du tout comme dans les cours. Oh, ça me fait penser. Avant de quitter la cité, j'ai entendu une rumeur à propos d'un héros. Ah. Un héros? Oh, je suis sûre que c'est un Bovoy plus grand et plus fort que nous. Si je le vois, je le plaque au sol, je l'embarque et on n'en parle plus. Oh. Tu oublies pas une étape là? Genre presque tout ce qu'on a appris en cours de séduction. Et puis il faut d'abord le trouver avant de pouvoir l'embarquer. Comment on va s'y prendre pour le reconnaître? Oh, bien sûr, l'épée légendaire. J'avais oublié, l'héros porte une épée légendaire. Mais vous savez à quoi elle ressemble, vous, cette épée légendaire? Vu son nom, elle doit briller, un truc du genre. Vous pensez pas? Oh, et si ça se trouve, c'est une épée gigantesque, aussi grande que le héros. Ah, quelle plaie. Vous êtes sûr qu'on peut pas juste l'attaquer par surprise? Si j'arrive discrètement par derrière et que je l'attrape ses jambes, même un héros. Nico, encore une fois, c'est pas comme ça que ça marche. Oh. Elles sont trop mignonnes. Elles y sont pas du tout, elles ont rien compris. Mettez-vous à l'aise. Ok. Oh, regardez-moi ça. Que vois-je? Il manque une roue. Bien. On va se mettre sur la route en vrai. Pourquoi prendre un cheval en vrai? Hein? Pourquoi prendre un cheval? Désolé, je me fais peur. Désolé, regardez, monsieur. On suit la route. Déjà, je vais où moi? Je dis ça. On va voir la carte. Ouais, on peut faire par là. Allez, c'est parti. Mettez-vous à l'aise! Oui, et ben là pour le coup, je me suis mise très à l'aise. J'ai juste volé votre casse. Votre car. C'est tellement mieux comme ça! Ah oui! C'est un petit bonhomme, le pauvre petit là. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis embêtée, comment je me suis débrouillée là, c'est pas possible, ça arrive tout le temps. Et mon ami, il est genre à l'autre bout du monde. Pourquoi est-ce que je suis tellement lourde là avec mon sac, j'en peux plus là, c'est pas possible. À chaque fois, c'est la même chose. Attendez. Voilà, tu restes là, tu ne bouges pas. Bon, allez, on l'emmène. On l'emmène même pas voir son pote, mais c'est pas grave. J'ai pas le temps. Monte. Pourquoi tu montes pas? Ah oui, parce que je me trompe de bouton. Alors, du coup, son pote, c'est plus par là qu'il faut aller. Mais est-ce que j'ai envie d'aller par là? Ça, c'est la question. Ce pote, il se trouve à un endroit par là, mais est-ce que moi, j'ai envie? Ça, si moi, j'ai pas envie de l'emmener, je l'enlève, hein. Il est mon compagnon à vie. Nya. Faire très attention. Boum, c'est passé.
Dieu! Ils sont morts! What? Mais je pensais que ça volait, moi! Ils ont des ailes! C'est pas possible, ces oiseaux! Ils sont plus stupides que je le pensais. Allez, c'est parti! Au secours! Au secours! S'il te plaît, cours! Ah! Non! Mais c'est pas possible! Arrêtez! Ça suffit! Oui, je sais, je suis complètement effondrée. Donc je vais là à pied pour voir. Ah, un ennemi. Ça ne mène nulle part. Ah, attendez. J'ai parlé trop vite. Vous voyez, un sanctuaire sans sanctuaire. Vous voyez, je suis déjà dedans là. C'est moi ou ça bug? Qu'est-ce qui se passe? C'est normal ça? Is it normal? Is it okay? Et aussi ce truc là que je peux même pas attraper à sa souffle. C'est moi ou... Faut offrir le sanctuaire du cristal qui indique la lumière, alors tu recevras la lueur qui chasse le mal. Le sanctuaire du mont Satori. Vu votre journal, vous pouvez marquer les liens en lien avec vos quêtes acceptées. What? Ah! Une grotte! Nouveau. Grotte du pied du mont Satori. Donc on a dit que les grottes c'était ça, hein? Let's go. Ça bouge en fait. Pourquoi tu bouges, monsieur? J'ai pas de flèche, ce serait bien si je pouvais en avoir. Oh, ça bouge. Bon alors, on fait quoi? On fait ça avant ou on va chercher des flèches? À la base, je cherchais même pas de flèches, hein, mais bon, ça pourrait servir d'avoir des flèches en vrai. Ça pourrait être plutôt utile. Zéro flèche. Je reviens, t'inquiète. I got this. Don't worry. I'm so sorry, sir. I'm so sorry. I apologize. J'ai une roue bizarre. Yeah, on dirait bien qu'il n'y a plus trop le chemin. Ah, ça suffit. C'est que ça. Ouh. Oui. Ça suffit. Arrête. C'est un peu overkill. Je le conçois. Oui, c'est bon. Allez, c'est parti. On monte les escaliers. Hop, oh, mince. Excusez-moi.
Je ne fais que passer. Voilà. Merci pour l'accueil, bien sûr. Ah, on peut faire tout Hyrule comme ça, hein. C'est trop bien. Bon, lui, on le laisse tenir avec son panneau comme un grand. Il fait du trop bon travail. Il y aura cette compagnie de petits monstres. Vous voyez? Le chef est... Deux, les sept nains qui rentrent du boulot, là. On rentre du boulot. Tu 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 tu. Ah, les gens, il se trouve qu'on va avoir un tout petit souci de taille possible. Très bien. Stop, 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 stop.